Salut, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre chaîne préférée, Chronique Afrique, du côté de la Côte d'Ivoire. Pour le gérant de la société coopérative Yépinan, Soro Moussa, le président Alassane Ouattara et son ministre en charge de l'agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani, méritent d'être salués par tous les producteurs de coton. Ce prix est bénéfique aux paysans franchement dit. Le prix du coton à 310 francs, c'est bon par rapport au précédent prix des années antérieures qui était parfois à 175 francs voire 200 francs, a-t-il déclaré. Il a toutefois souhaité beaucoup d'efforts de la part de l'État pour encourager les paysans frottés à l'augmentation du coût des intrants du fait de la crise ukrainienne, de la pauvreté des sols, de la qualité du coton qui ces dernières années ne pèse plus vraiment. Si rien n'est fait pour maintenir les producteurs, beaucoup risquent d'abandonner la production du coton au profit de certaines cultures, a-t-il prévenu. Pour le chef de la zone de la Compagnie ivoirienne pour le développement des textiles, CIDT, de Marandala, Soro Yalamisa Ibrahima, le prix de 310 francs est vraiment bénéfique aux paysans. Il a également salué les efforts du gouvernement et encourager les paysans production du coton. Selon lui, la filière coton est un réel facteur de développement des régions productrices de cette culture de rente avec les usines d'égrenage, le reprofilage des routes à chaque campagne et l'appui en intrants qui servent aussi à accroître la production des cultures vivières. Et la salutation des acteurs agricoles de la région du Mbéré qui saluent l'État pour le prix du kilogramme du coton fixé à 310 francs. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et surtout à vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations.